Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. Bon, je te préviens, je vais pas me continuer tout le boulot. Hein. Mais non, t'inquiète pas, je m'en occupe. Hé, hey, t'as vu? Les figurants sont en place. Ah, ah! Oui, parfait, ah, parfait. Hey. Super. Hey. Bon, ben... Hein? Bonjour, je suis... Oh, il marche pas. Non, mais c'est bon, il marche pas ton truc. Mais si, ils ont compris, non? Je suis Baptistin, le premier assistant. Oh, ça ira, t'as assez de monde? Ah ouais, c'est parfait, hein. Super, parfait. Ils sont beaux, hein, ils sont verts. Bon, le bassin est plein d'eau. Ah. Mais en revanche, le cascadeur n'est toujours pas là, hein. Très bien. Oh, t'inquiète pas, je m'en occupe aussi, hein, je m'en occupe. Bon, ben, tout le monde est en place? Oui! Ah, ben, c'est super, hein? Bon, vous avez déjà l'habitude de faire de la figuration sur des tournages? Oui! Donc, je ne vais pas vous expliquer comment ça se passe. Aujourd'hui, c'est très simple. Vous êtes censé être un public de théâtre, puisque la séquence que nous allons tourner se passe pendant la représentation d'une pièce de théâtre. Le film s'appellera « Une étoile est morte ». Et ça raconte l'histoire d'une grande comédienne qui est morte sur scène, assassinée par son mari jaloux, qui était dans la salle. Et aujourd'hui, c'est cette séquence que nous allons tourner. Celle où le mari jaloux tue sa femme. Voilà, autant vous le dire tout de suite, ça risque d'être un petit peu long. Hein. Vous êtes là pour 7 ou 8 heures, voire un peu plus si on a du retard. Mais ne vous inquiétez pas, une pause pipi aura lieu toutes les 4 heures. Et une collation vous sera offerte. Moyennant 30 euros. Oh. Ah, petit Baptistin. Oui. Ça va, ça avance? Ben ça y est, les figurants sont en place. Ah, oui. Bonjour à tous. Bonjour. Francis, notre réalisateur. C'est bien. Ouais. C'est bien, mais j'ai pas besoin d'autant de personnes, en fait. Ah bon? Bah non. Pour ce qu'on va tourner aujourd'hui, le cadre, il ira pas plus loin que ça, en fait. Quoi? Dixième rang? Ouais, dixième rang. Très bien. Bon, ben... Au-delà du 10e rang, vous pouvez rentrer chez vous. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous serez payé, vous serez payé. Non, attends, je te dis une bêtise, parce qu'on va tourner les contre-champs cet après-midi. J'ai besoin d'une salle pleine, en fait. Ah, ne bougez pas. Dis-moi, tu as pas vu Nora, par hasard? Je crois qu'elle est dans sa loge. Ah, j'ai une grande nouvelle à lui annoncer, tu sais. Ah ouais, c'est quoi? Ben, j'ai parlé à ma femme. Ah, et alors? Et ben, alors je lui ai dit que... Merci, à tout à l'heure, mesdames et messieurs. Je dis ça plus tard. Ouais. Hey, tu me dis quand on est prêt à tourner, oui, d'accord? Oui, t'inquiète pas. Donc, oui, alors une chose importante. Alors, faites attention au portable. Surtout, n'oubliez pas de les couper et pas de photos ni de vidéos pendant le tournage. Hein, on est d'accord? Et bonjour, mon bâtisseur. Si
l'équipe, hein, qu'on ne présente plus apparemment. Ça va bien? Oui. Ah, je sens qu'on va faire du bon boulot aujourd'hui. Hein, mon Baptiste? Ah oui, bien sûr. Figurant. Mais quel métier merveilleux. On ne vous voit pas. Vous êtes mal payé. Vous n'avez aucun avenir. Et pourtant, on ne peut pas se passer de vous. Ça fait réfléchir, hein. Justement, j'étais en train de leur expliquer. J'ai commencé comme figurant, sur Germinal. Oh, c'est là que Claude Méry m'a repéré. Je m'en souviens comme si c'était hier. On allait tourner, j'étais à côté de Gérard. Depardieu, hein. Je poussais un wagonnet, et là, Claude me dit, « Toi, là-bas, tire-toi !» Et il t'a viré ? Ouais, parce que c'est mon problème. Je rayonne de trop. Tu es phosphorescent. Non, j'ai trop de présence, si tu veux. On ne voit que moi. Ah, d'accord. Tu me mets dans une foule, à côté d'une vedette, on ne voit que moi. Je ne le fais pas exprès, c'est comme ça, je n'y peux rien, je rayonne. Ah ben dis donc, ça va être drôlement handicapant. Ah, tu parles, ça peut foutre une carrière en l'air. Ah, Baptiste ! Oui ? Oh, t'as pas vu Philippe ? Ben, je suis là ! Oh, pardon, je t'avais pas vu. Bon, tiens, viens avec moi, il faut que je t'aille ton pistolet. Je te suis, à tout à l'heure. Tiens, Philippe, ton texte pour aujourd'hui. Merci. N'oublie pas de l'apprendre, hein. Ouais. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc nous allions tourner la séquence où Philippe Brécourt interrompt la représentation pour menacer sa femme qui joue sur scène. Je trouve toujours pas Lola. Ben, je ne sais pas. Bon, il est arrivé le cascadeur ou pas? Non, pas encore. J'ai une grande nouvelle à lui annoncer. Ah ouais, ben il va être content, hein. Ah ouais. Non, pas cascadeur, Lola. Ah, Lola? Lola? Bon. Donc je disais que nous allions tourner la séquence où Philippe Brécourt... Baptistin. Oui. Baptistin. Ah, Rose. Rose Foucault, que vous connaissez tous. Hé, tu as vu? Les figurants sont en place. Dis-moi. Oui. Tu l'as trouvée où, la nouvelle maquilleuse? Baptistin. Bah, viens là, toi, viens là. Ah! Mais c'est Christina, la mise de Jojo, pourquoi? Parce que c'est une cruche, elle est nulle et elle ne comprend, mais elle en rien de rien. À mon avis, elle peut t'entendre, hein? Ne t'inquiète pas, chérie, elle ne parle pas un mot de français. Fabrice est cruche. Munda! Bon, écoute, ça fait une heure que j'essaie de lui expliquer comment mettre une perruque et un chapeau. Et ça ne tient pas. Mais elle te va très bien, ta perruque. Mais je n'ai pas là. Bon, elle est là. Ah oui, c'est là, est beaucoup mieux. Ben, ah oui, évidemment. Bon. Alors, est-ce que tu peux essayer de lui expliquer comment on met une perruque et un chapeau, s'il te plaît? Bonne chance. Hein. Bien sûr. Christina. Da. Perruque. Mmh. Chapeau. Mmh. Tenir sur la tête de Rose avec des... agrafe. Non, pas des agrafes, hein. Tenir avec des... Ah, clousses. Il faut changer de rayon, hein, c'est pas ça, hein. C'est beaucoup plus petit que ça, c'est comme ça. Oh, vis. Oh, ça suffit, je viens de débrouiller, mais elle est complètement folle. Oh, God. Oh, non, pas God. Pas God. Pas God. Bon. Non, on était où? Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, alors, faites très attention de bien reprendre vos places après chaque pause pipi, hein, sinon on ne sera jamais d'accord avec la caméra, ok? Qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Ils ont fait n'importe quoi, là! Ah non, mais les couples, là, vous n'êtes pas du tout crédibles, hein? Non, on va changer tout ça, ça ne marche pas du tout. Alors, monsieur là, vous allez vous mettre à côté de madame là. Vous allez changer de place, hein, ça sera beaucoup mieux. Et monsieur là, vous allez vous mettre ici, à côté de monsieur. Hein, d'accord? Et puis les costumes. Ils vous ont pas gâté, hein? Oh là 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 là, mais elle a fait n'importe quoi, la costumière ou quoi? Elle a fait un vide-grenier! Je sais bien que c'est pas de votre faute, hein?
Vous n'aurez jamais imaginé vous habiller comme ça, hein? Non, parce que vous êtes censé être un public de théâtre. Et le théâtre, c'est un peu chic, hein? Et là... Et vous, madame, vous n'avez pas une autre robe? C'est incroyable, le film est censé se passer à notre époque. Et... Bon, on verra ça plus tard, c'est pas un problème. Baptistin? Oui? Baptistin? Oui? Pour la séquence d'aujourd'hui, j'ai une ombrelle ou pas? Ben oui, je crois, oui, oui. Tiens, voilà ton texte pour aujourd'hui. Ah, merci. Ça va prendre par cœur, hein. Lola, notre jeune première. Bonjour. Qui sont ces gens? Ben, ce sont les figurants, hein, pour faire le public, hein. Ah bon? Ouais. Mais je savais pas qu'on aurait des vrais gens. Mais si, c'est plus écologique, hein. Et vous êtes tous des vrais gens? Oui. Ah, oh, oui. Et ils sont beaux. Eh, mais regarde comme ils sont beaux. Pas tous, hein. Et ils ont l'air, mais gentils. T'accroches pas trop, quand même, hein, on se gêne, hein. Dégage. Ils sont calmes. Ils sont très calmes, hein. Ils dorment peut-être. Déjà ? Disons, il y a Francis qui se cherche de partout, hein. Bah, je suis là, À tout de suite. Dis-moi, c'est quoi cette odeur de colle dans les loges ? C'est rien. C'est Rose qui est en travaux. Bon, donc, ben, je crois que je vous ai tout dit, hein. Ah oui, une dernière chose encore. En tant que public de théâtre, vous devez avoir des réactions de public de théâtre. Hein? Donc on va voir tout ça ensemble, d'accord? Allez, applaudir! Rire! Tout sauter! Bon, et peut-être une standing ovation à faire. Allez, oh! Super, bravo. Baptistin, oui. On est prêts, on va y aller. Ouais, c'est bon. Justement, j'étais en train de voir avec le public les réactions. Ah oui. Hein, d'accord. Alors, pour les rires, tu veux comment? Un rire plutôt... populaire gras ou un télo genre coincé? Oh, je sais pas, fais voir. Bon, on va lui faire un rire populaire gras, vous savez. Alors, je vais... C'est... D'accord? Attention. 3, 4. C'est bien, hein? Ouais. Hein? Là, on sent bien le gras, effectivement. Non, fais voir plutôt l'intello. L'intello, oui. Alors, l'intello, c'est la bouche en cul de poule. Attention, 3, 4. C'est bien, hein, hein, c'est bah, ça. Tu sais quoi? Non. Non, pas de rire, c'est en fait mieux. Même pas un tout petit. Non. Bon, alors, ne riez pas. Voilà, c'est mieux. Bon, Baptiste, on fait quoi, là? On y va, ou... Ouais, on y va, je sais partir, hein. Oh, tout le monde reprend en plein. Ça marche toujours pas, ton truc, là. Ah, ouais, fais voir. Ah, Lola, mon amour, t'es chelou. Non, mais je suis là, mon chouchinou. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer, tu sais. Tu me diras ça tout à l'heure. Ouais. Bon, bah, tiens, vas-y, essaie. Bon, personnellement, je suis prêt, c'est quand vous voulez, hein. Oh, c'est super, Jojo, il marche bien, hein. Oh, c'est super, hein. Bon, c'est quand tu veux. Ok. La lumière, on est bon ou pas? Alors, la lumière... Ouais, on est bon. On avait prévu de tourner quoi, Jojo? Alors, on avait prévu de tourner... Je sais plus, moi. Mais oh, les gars, la masque! C'est pas là! Ben, c'est tout, alors. Bon,
Bah on va tourner la scène en plan large. Ouais. Et on fera les plans célestes après-midi. Ok. On va tourner la scène en plan large et on fera les plans célestes cet après-midi. Toi, mon amour, tu es en 2 escaliers, d'accord? D'accord. Toi, mon amour, tu es en 2 escaliers, d'accord? Ah, merde. Merde. Rose, elle est où, Rose? Oh, elle est où, Rose? Et moi, Baptista? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment nécessaire, ça. C'est pas assez fort. Oh, baisse un peu, quand même. Cette fois, c'est mieux. Ah, Rose, ma chérie. Prends comme tu es belle. Bon, bah toi, tu vas être sur le banc, puis tu vas broder un petit peu. Hein? Voilà, très bien. Non, plus que Philippe. Il est où, Philippe? Ben, je suis là! Excuse-moi, Philippe, je t'avais pas vu. Bon, toi, oui, toi, tu es dans la salle, et tu assistes à la représentation, d'accord? C'est là que tu dis ta phrase, tu n'aurais jamais dû me tromper, Jacqueline. Tu n'aurais jamais dû me tromper, Jacqueline. Voilà. Et ton signal, c'est quand Rose, elle dit Apfelstrudel. Apfelstrudel. Bon, ouais. D'accord. T'es en place. Bon, et vous, vous lui faites tous un chute en même temps parce qu'il dérange la représentation. Ah, bah attends, on va le voir tous ensemble, le chute. Ah. Parce que faut que ça donne bien. Mesdames et messieurs, on va essayer tous ensemble, ok? Alors, on va faire ça à 3, tous ensemble. 1, 2, 3. Non. Non, 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 ça fait trop tempête de neige, ça. Non. Monsieur, oui, là, essayez tout seul pour voir. Oui, monsieur. Bah non, c'est 0. Bon alors, qui a fait le chute au conservatoire? Madame a un beau chute. Madame? Ah. Ok, bon, allez-y, madame. Chute! Ah, c'est magnifique! Oh là là! Madame, c'est pas votre premier chute. Vous avez déjà chuté, madame? Bon, madame sera la seule à faire chute. D'accord? Donc, madame, très important. Votre chute, c'est au moment où Philippe dit Jacqueline, d'accord? Et c'est après qu'il ait dit Jacqueline que vous faites chute. Après. Hein. Tenez, votre texte pour aujourd'hui. Et il faudra l'apprendre par cœur, hein? Ouais. Par cœur. Merci. Baptista, on est prêt? Ben on est prêt, on y va. Eh ben cette fois, on la tourne. Allez, c'est parti, on la tourne. On la tourne. Dis-moi, ma chérie, ça c'est nécessaire? Le chapeau? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que c'est collé. Bon, d'accord, effectivement, ok. Allez, silence! Silence demandé! Silence partout, merci. Motte! Ça tourne! Annonce. Une étoile est morte, 24 sur 1, première. Et action. Ce soir, nous avons le baron von Schmetterling à dîner. Ah, je le trouve tellement ennuyeux et je ne comprends jamais ce qu'il dit. Moi non plus. Pour le dessert, j'ai... Oh, coupez portable. Mais c'est pas possible. Portable. C'est madame. Je dis qu'on t'a envie de les couper. Ah bah ben non, c'est moi. Oh, pardon. Oh, pardon, je laisserai dans la loge. Pardon, pardon. Philippe. Pardon, je suis confus. C'est bon, pardon. Bon, allez, on la refait. Pardon. C'est pas grave. Pardon. On la refait. On la refait. Allez, moteur. Ouais, ça tourne. Annonce. Une étoile est morte, 24 sur 1, deuxième. Et action. Ce soir, nous avons le baron von Schmetterling à dîner. Et je le trouve tellement ennuyeux. Je ne comprends jamais ce qu'il dit. Moi non plus. Pour le dessert, j'hésite entre une omelette norvégienne et un Apfelstrudel. Tu n'aurais jamais dû me tromper. Coupez. Mais madame, faut le dire plus tard, le chute. C'est pas écrit assez gros, peut-être. Il a pas dit Jacqueline. Madame dit que j'ai pas dit Jacqueline. Je l'ai dit. Baptista, je l'ai dit. Ouais, tu l'as peut-être dit, mais intérieurement. Voilà, c'est ça, je l'ai dit, intérieurement. Ouais. Il faut sentir son partenaire, madame. Mais enfin, tu l'as pas dit, quoi. Si, je l'ai dit. Ah non, tu l'as pas dit. Si, je l'ai dit. Bon, allez, on l'a refait, on l'a refait. Ah non, tu
tu l'as pas dit. Je vais... Allez, moteur. Ouais, ouais. Ça tourne. Allons. Tu l'as pas dit. J'ai dit. Une étoile est bien tout morte. 24 sur un, troisième. Et action. Ce soir, nous avons le baron von Schmetterling à dîner. Et je le trouve tellement ennuyeux. Je ne comprends jamais ce qu'il dit. Moi non plus. Pour le dessert, j'hésite grandement entre une omelette norvégienne et un Apfelstrudel. Tu n'aurais jamais dû me tromper, Jacqueline. Chut, Charles. Mesdames et messieurs, cette femme que vous admirez tous me trompe. Mais qu'est-ce qui prend? Tu es fou. Je t'aime et je t'ai toujours aimé. Mais aujourd'hui, je n'en peux plus. Je sais que ton amant est dans la salle et je suis venu pour vous tuer tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour André. Bonjour André. Ça va ma petite Lola? Elle est formidable. Mais continuez, continuez, je ne peux pas vous déranger. Ça va mon Francis? Ouais, ça va. Oh, et la plus belle, c'est Rose, évidemment. Et je ne dis pas ça parce que c'est ma femme. Mais regardez-moi ces figurants. Oh, on dirait un vrai public, hein. Bonjour à tous. Bonjour. Ils sont nombreux, ça va me coûter un bras, ça. Ah non, 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 t'inquiète pas. Non, non. Et Philippe? Il est où, Philippe? Ben, je suis là. Pardon, mais je n'ai pas vu. Non, mais quel acteur, lui. Quelle présence. J'en ai produit des films, mais je peux vous dire que celui-là, ça sent Cannes. Ça sent le César. Ça sent la colle, non? Bon, ne dérange pas plus longtemps, vous connaissez quelle séquence? Celle où Lola s'évanouit et tombe dans l'escalier. Formidable. Oui, mais enfin, c'est un cascadeur qui fera un tout. Ah, ça y est, il est arrivé. Non, pas encore. Bon, bah, appelle-le déjà. Je vais l'appeler. En attendant, on n'a qu'à faire une pause. Ah! La pause pour tout le monde! Bonsoir, à tout à l'heure, mon Francis. Ouais, ça roule. Rose, mon amour, je peux te voir une minute. Ah, Lola! Lola, Francis. Oui, Francis. Tout va bien pour moi? Pour toi? Oui, toi, ça va. Non, mais par rapport à mon problème. Lequel? J'en ai qu'un, tu sais bien. Je rayonne de trop. Ah, tu picoles de trop. Non, je rayonne. Ah. Et parfois, ça peut être gênant pour mes partenaires. Écoute, pour l'instant, tout va très bien. Maintenant, si jamais tu clignotes, je te tiens au courant. Ah, t'es gentil, merci. Ah, Christina. Bah. J'aurais besoin d'un raccord maquillage. Oh, tapinage? Non, pas tapinage. Maquillage. Oh, coquillage. Ouais, c'est ça, coquillage. Allez. Da. Lola? Lola? Oui, mon chouchinou. Ah, tu es là. Mais oui. Je te cherchais partout, mon bébé. Ah, mais je suis là. J'ai une très grande nouvelle à t'annoncer. Ah oui, c'est vrai, alors? Alors? J'ai fait un aller-retour à Dijon. Ouais, ok, bah ouais, je te rappelle. Hein. Ok, ça roule ma poule. Bon, ja. Comme je te disais, j'ai fait un aller-retour Jojo, à Dijon. Jojo, oui. Tu pourrais m'apporter un thé, s'il te plaît? Bien sûr. Merci, t'es un amour. Bon, j'ai fait un aller-retour à Dijon hier soir. Avec un peu de sucre? J'ai fait un aller-retour à Dijon hier soir. Mais pas trop. J'ai fait un aller-retour à Dijon hier soir. Et aussi avec un petit peu de lait, mais pas trop non plus. Mm-hmm. Voilà, tu me dis, s'il te plaît. Mais je fais que ça. Bon, alors... J'ai fait un aller-retour à Dijon hier soir. Tiens, ma poupée. Merci, t'as un chou. Oui, merci, merci. Allez, j'ai fait un aller-retour. Oh, il n'y avait plus de l'air. J'ai fait un aller-retour à Dijon. Jojo, casse-toi. Je me saoule. Bon, ben, je t'écoute. Alors, j'ai fait un aller-retour à Dijon hier soir. Ah bon? Oui, tu sais pourquoi? Non. Parce que j'ai parlé à ma femme. De quoi? Bah, de nous. Je lui ai dit pour nous deux. Je vais divorcer. On va enfin pouvoir vivre ensemble. Bah pourquoi? Bah parce qu'on s'aime. Ah!
Oui. Oui. Bah oui, bébé, ici. T'es heureuse avec moi? Oh oui, 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 c'est génial. On va même pouvoir se marier. Oh, alors génial, oui, génial. Oui, ne quittez pas, ne quittez pas. Francis, quoi? On n'aura pas de casque d'œuf. Mais pourquoi? Ben, il est à l'hôpital, il veut te parler. Là, maintenant, là. Ben, oui, mais non, je sais pas ce qu'il veut. Alors, tiens. Allô? Oui, qu'est-ce qui vous arrive? Quoi? Ouais, j'en ai rien à foutre que votre femme accouche. Ça vous empêche pas de venir, quand même, ça? Elle peut pas repousser à des pains. Oui. Bon, bon, bah, passez-la, moi. Allez, passez-la, moi. Bébé, je reviens tout de suite, d'accord? Ah, oui, madame. Ah, eh ben, poussez, madame! Poussez! Allez-y! Oh, c'est dingue! Elle se doute de rien! Rien! Oh, on peut pas maintenant, elle est juste à côté! Oh, si, maintenant! Soyons raisonnables! Ah, soyons raisonnables! Ah, bon, d'accord! Ok. Alors, c'était quoi cette grande nouvelle? Quelle grande nouvelle? Ben, Francis, il avait une grande nouvelle à t'annoncer. Ah oui! Il veut divorcer, il veut m'épouser. Il me parle de rire. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Bah rien, ça me regarde pas. Mais si, c'est une canard. Ah bon? Enfin, il quitte sa femme pour toi alors que vous ne couchez même plus ensemble. Ah bon? Avec Francis, vous ne couchez plus ensemble? Non. Oh. Beaucoup moins qu'avant. Comment ça, beaucoup moins qu'avant? Bah oui, mais t'es marrant, toi aussi, tu m'avais dit de pas faire de vagues. Tu voulais attendre la fin du tournage. Alors, vous couchez toujours ensemble? Tu sais bien que c'est toi que j'aime. Ah bon? Bah ça va alors, hein? Tu veux que je lui dise aujourd'hui? Bah oui. Promis, je lui dis aujourd'hui. Mais tu lui dis pas pour nous deux, hein? Bah non, t'inquiète pas. J'ai l'habitude. Et ton scénario? Ben ça y est, j'ai fini de l'écrire. Ah, mais c'est bien. Ouais. Et tu l'as donné à André? Non. Pourquoi? Tu me fais mal là, parce que qu'est-ce que tu attends pour le lui donner? J'attends le bon moment. Il est là, le bon moment. Tu vois André tous les jours. Oui, c'est vrai, mais j'attends le bon moment. Et quand tu lui donneras le scénario, tu n'oublies pas de lui dire que le premier rôle est pour moi. Ah, mais c'est sûr, le premier rôle, Clara, il est écrit pour toi, mon amour, hein. Mais c'est pas gagné, hein. Comment ça? Tu me fais mal. Ah, mais tu sais, aujourd'hui, ça coûte cher de faire un film. Et les producteurs, ils voudront une vedette. Et toi, mon amour, t'es pas une vedette, hein. Ils vont hésiter à miser sur toi, il faut les comprendre, hein. Le rôle de Clara est pour moi. Ah oui, je te le jure, je te le jure qu'il est pour toi le rôle de Clara. C'est vrai? Oui. J'ai envie de toi. Mais pourquoi faire? Je t'attends dans ma loge. Non, Lola, non, Lola, non, non. Bon, alors ça, je ne paie pas. Ça, maintenant, non plus. Ah. Et ça, non plus. Ce serait quand même plus simple, ma colombe, si j'avais la signature sur le compte. Et ça t'éviterait toute cette paperasse. C'est cela, oui. Non, parce que c'est compliqué de produire un film. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, tu devrais me laisser faire. Tu étais où cette nuit? J'ai travaillé toute la nuit, j'ai pas fermé l'œil, j'ai une tête comme ça. Et ça, c'est quoi? Ce sont des fleurs. Mm-hmm. Pour ta maîtresse. J'ai pas de maîtresse. Mais elle m'a appelée. C'est ta veille. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tu vois que t'as une maîtresse, ça évidemment, non. Ça, oui, je suis d'accord. Ça, non. Et ça, oui. Voilà. Autre chose? Eh ben non, je crois que c'est tout. Hein. Ben si, j'allais oublier. On a fini la soirée avec des amis. Il y avait tout le monde. C'était très sympa. Tiens, t'as le bonjour de Paolo. Tu te souviens de Paolo? Non. Il t'embrasse. Pas moi. Il y avait aussi les frères Unciano. Tu sais, ceux qui ont perdu leur ami, là. Faut dire, le gars, il va se baigner avec un bloc de béton au pied, tu vois le genre. Et alors, stylo? Et alors, à un moment, on s'est dit, tiens, si on faisait un petit poker, comme ça, avec des allumettes. Tu as perdu combien? Ben rien, presque rien. L'allumette était à quoi? 1000 euros. Tu as perdu combien? 3 ou 4 boîtes. C'est-à-dire 60 000. Pardon? 60 000 euros.
60 000 euros? Ouais. Oh. Oh. Alors, tu sais ce que c'est avec la crise, ils sont tendus, les Luciano. Dis-moi, tu perds souvent, toi, au poker? Au poker, non. Mm-hmm. Bon. Tu ne sais pas jouer ou tu n'as pas de chance? Mais tu sais, ma colombe, la chance, ça tourne. Ouais, bah toi, elle te tourne le dos. Alors, pourquoi ne leur proposes-tu pas plutôt de jouer à cache-cache, à la marelle, à chat-perché? Je ne sais pas, moi. Oui, on a compris, on a compris. Alors, grosso, ma colombe, si tu pouvais les payer assez rapidement, ce soir, par exemple, ça les arrangerait, et moi aussi. Viens. André. Oui. On n'a pas de cascadeur. Pourquoi? Mais il accouche. Mais non, pas lui, sa femme. Ah bon, elle aussi? C'est pour quelle scène? Bah, c'est la scène où Lola s'évanouit et tombe dans l'escalier. Ah, ah ouais, non, c'est trop, elle peut pas le faire, il nous faut une doublure. Oui. Ouais. Et les figurants, là? Ça fait une heure qu'ils sont assis à ne rien faire. Il n'y en a pas un qui peut tomber dans l'escalier? Bien sûr. Oui, c'est une très bonne idée. Alors, qui a fait cascade en deuxième langue? Au conservatoire, je veux dire. Une femme de préférence, parce qu'il faut doubler Lola. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ben, il y avait madame, là, qui avait un beau chute. Elle m'a l'air assez athlétique, hein? Ouais. Hein? Madame, c'est très facile. Il suffit de tomber dans l'escalier. La tête la première, mais il faut tomber dans l'escalier. Vous serez en sécurité. Ouais. Il y aura des coussins, d'accord? Jojo, il y aura des coussins? Pas prévu. Vous voyez? Non, les gars, non, ça va ça pas. Ça risque rien. Non, ça va pas, ils sont pas assurés. Tous ceux-là, ils sont pas assurés, je peux pas prendre n'importe qui. Hein. Ah bon? Eh ben... Bon, bah, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on peut faire, alors? Bah, toi, tu peux le faire, toi. Moi? Ouais. Ah non, c'est pas possible. Hein. Lui, il est assuré, quand même. Oui. Ah non, mais de toute façon, il faut une femme, alors. Une femme? T'es dans le fond. Avec une robe, une perruque, on ne verra même pas, ça marchera très bien. Ah non, je suis pas chaud. Allez, Baptiste, merci, problème réglé, tu me fais plaisir. On peut pas assurer madame? Allez, Baptiste, va te préparer. Ils ont prené une vieille dame, il y en a plein, là. Oh, mais qu'est-ce qu'il me veut encore? Tu penseras à mon petit chèque, ma colombe? Deux. Ben, mes allumettes. Ah oui. Voilà, mais c'est la dernière fois. Oh, hein. Merci, ma rose, tu es mon soleil. Tu es ma crème fouettée, mon baba rose. Jojo, pour le prochain plan, on change de focale et on passe au 25, d'accord? Ah, ok, bah au 25, alors. Rose, tu vas être sur le banc. Je serai dans le plan. Dans le plan? Bah, évidemment, quand même. Christina! Non. Rose, je n'ai pas eu l'occasion de te remercier pour ce magnifique rôle que tu m'as confié et que j'aime beaucoup. Oh, je suis très touché de la confiance que tu me fais et voilà, je tenais à ce que tu le saches. Ce métier fait de rencontres et d'échanges et je crois sincèrement que nos chemins se croiseront à nouveau, non? Ça va, Philippe? Tu ne dis rien. Vas-y, je tenais à te remercier pour le rôle que tu m'as confié. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est André. Moi, je ne te voulais pas. Ah oui, je comprends, par rapport à mon handicap. Ton handicap? Ben oui, tu sais bien, je rayonne de trop. T'es radioactif? Non, je rayonne sur le plateau. C'est pas toujours facile à vivre. Ben, tu as pensé à consulter? Mais non, qui? Je ne sais pas, moi. Un électricien? Oh! Rose! Oh oui, j'arrive. Oh. Lola, pour notre prochain week-end, je t'emmène dans mon mât provençal, dans le Perche. Génial! Comme ça, je te présenterai tout le monde. Il y aura mes cousins, mes petits cousins, mes parents et mes grands-parents en plus. Bah, génial! Ouais. Francis? Oui, bon, j'arrive. Après le tournage, je t'emmène faire un petit week-end tous les deux, en amour. Oh, à Venise! Oh non, on va aller en Picardie, je te rends compte! Francis, on reprend où exactement là? Oui, bon, on va reprendre au moment où Philippe dégaine. Et il dit sa phrase: je sais que ton amant est dans la salle, je suis venu ici pour vous tuer tous les deux. Ok. Bon. Philippe, il est où Philippe? Ben, je suis là! Pardon, je ne t'avais pas vu! C'est vrai. Bon, Philippe, t'as compris? Oui. Ouais. Vas-y. Figurant. Ah oui. Alors, les figurants, on va essayer de faire quelque chose encore, s'il vous plaît. On va essayer de, on va dire, faire un A, d'accord, au moment où Philippe dégaine. Ok? On va voir ce que ça donne. Alors, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ah! Ah non, c'est
C'est pas admiratif, on n'est pas au cirque là, c'est pas un numéro de trapèze. C'est plus un haut de peur, vous voyez. Oh, comme ça. Et madame qui a fait chute. Madame. Elle a fait chute. Madame, c'est fini le chute. Maintenant, c'est un haut. Bon, essayez un haut, allez-y pour voir. Oh. Ça, c'est très bien, ça me va. Madame, vous allez faire un haut parfait. Et essayez avec un sniff. Et avec un crack, oui, bon, et avec un beurre, oh, avec un trou. Mais bon, ça va, on a compris, on a compris. Allez. Bien, on coupe les portables, tout le monde en place. Baptistin, t'es prête? Toi, Francis, ça ne marchera jamais. Non mais tu vois, hein. Bon, allez, mets-toi en place, s'il te plaît. Bon, alors, on va reprendre au moment où Philippe dégaine, d'accord? C'est là que... Non, Baptistin, monte un peu quand même. Là? Ah, plus haut. Mais c'est déjà haut, là. Monte. Voilà. Philippe dit sa phrase. Il dégaine, tu t'évanouis. Tu veux la répéter? Non. Tu veux tomber la tête en avant pour voir? Non! Alors cette fois, on la tourne. Allez, on la tourne! Allez, moteur! Ah, et qui va faire le clap? Moi, je fous! Toi, tu restes en haut! Ah ben, Christina peut faire le clap! Christina, très bonne idée. Christina. Da. Très facile. Ici, clap. D'accord? Da. Super. Allez, on y va! Vas-y, Christina, annonce. Ça tourne. Non, attends, Christina, attends un peu qu'elle parle, et puis lis ce qu'elle écrit. Vas-y, lis. Anne Toil est morte. Ah, on a changé de titre. Bon, vas-y, clap, vas-y. Clap. Non, ouvre-le et clap. Clap. Et ferme-le quand même. Clap. Non. Regarde, je te montre, c'est facile. Tu ouvres comme ça. Et au moment, tu baisses. Tu vas y. Ah, beaucoup. Non. Il fait une petite danse parce qu'il est content. On va changer, ma paix y arriver. On va changer. Tu restes en haut, tu tournes la tête en avant. Oui, mais ça tourne toujours, hein. Francis, c'est. Ouais, bon, c'est pas grave, Christina. C'est pas grave, on s'en fout. Allez, on y va. Action. Dégage. Allez. Clap. Action, vas-y Philippe. Je t'aime. C'est quand tu veux Philippe. Je t'aime. Et je t'aime. Vas-y, c'est à toi. Oh, j'ai commencé. Ah non, je t'avais pas vu, vas-y. Je t'aime. Et je t'ai toujours aimé. Mais aujourd'hui, je n'en peux plus. Je sais que ton amant est dans la salle. Et je suis venu pour vous tuer tous les deux. Ah, elle est bonne dans la gueule. T'appelles ça s'évanouir? Ben oui. Putain, c'est pas compliqué. Tu tombes la tête en avant et tu t'évanouis. Qu'est-ce que tu comprends pas? Ben, c'est que c'est haut, qu'il y a même pas de coussin, quoi. Les coussins, on va t'en mettre. T'as peur, c'est ça, Jojo? Quoi? Deux coussins. Oh là là, la chouchotte, alors. Bon, sinon, pour les autres, c'était très bien. Puis les figurants... Parfait, allô. Bon, Francis, ouais. Qu'est-ce qui se passe? On fait une pause, là, parce que... On fait pas de pause, on en a pour deux secondes, s'il te plaît. Tu peux rester en place. Tapis. Joli. Comme ça, clac. Ouais. Voilà, là, c'est bien comme ça. Bon, et les coussins, Jojo? Ah, ah ouais. Ben, les coussins, deux coussins. Excuse-moi, Jojo, c'est un effet d'optique ou ils sont vraiment petits? Ah, ben, ils sont vraiment tout petits. Bon, ok, et eh ben, allez, c'est parti. Annonce. C'est la cascade de Baptiste qui va s'éclater la tronche par terre. Ah, c'est fin, ça. Ah, ça, c'est fin, hein. Bon. Oui, on s'en fout. Allez, action. Ça tourne. Je t'aime. Et je t'ai toujours aimé.
Mais aujourd'hui, je n'en peux plus. Je sais que ton amant est dans la salle. Et je suis... Oh coupé. C'est dangereux, j'ai failli nous le prendre. Jean-Jean, regarde l'enseigne, là. Oh, mais j'y vais. Oh, bon, alors Francis, on se la fait cette pause. Non, on en a pour 2 secondes, s'il te plaît. Reste en place, Rose. Oh, bon, Christina. Da. Raccord perruque. Da. Excuse-moi, Francis. Je ne crois pas que je sois de mauvaise volonté, mais après réflexion, ouais. Je crois que je ne vais pas le faire. Bah, tu risques rien, il y a des coussins, regarde. Des coussins, je ne les connais même pas. C'est des coussins éloignés. Oh, mais il est assommant. Qu'est-ce qu'on perd comme temps pour des détails? Je risque rien, tu es assuré, Baptistin. Merci, André, c'est très gentil, mais je ne veux pas le faire. Je t'assure que d'ici, ça ne fait pas peur. Ben, d'ici, beaucoup plus, hein. Récoulasse. Bon, Jojo, ah. Laisse tomber. Hein? Laisse tomber, il a pas envie de le faire. Oh, Jojo oh. Ah. Comment ça, c'est fini entre nous? C'est fini, Chouchinou, c'est tout. Mais pourquoi? Lola, moi je vais te faire toi une star. Je te prends dans mon prochain film, voilà. Ah oui? Ouais. C'est quoi? C'est une pub pour les saucisses de Francfort. Lola! Mais Lola! Tu peux tout jouer, Lola! Je t'aime. Écoute, moi j'ai tout quitté pour toi, tu sais. J'ai quitté ma femme, mon chien, mon barbecue et même ma voiture, tu vois. S'il te plaît, Lola, je t'écris des poèmes tous les jours. Tu veux que je te les dise? Non. N'insiste pas, si je ne le ferai pas. Bon, je vais te les dire quand même, parce que c'est des poèmes que j'écris pour toi. Et puis, en plus, il y a plein de double sens et de métaphores, tu vas voir. Bon, je te mets le ton quand même. Hein. Quand je crie moteur, mon gros zoom s'éveille. Il cherche ton gros plan, le trouve et s'émerveille. Travelling avant, travelling arrière, je te prends devant, derrière. Au firmament du 7e art, tu astigueras mon Oscar. T'as compris les doubles sens? On a bien compris, oui. Tu sais que j'en écris tous les jours, hein. J'adore ça. Francis, je suis désolée. Mais je préfère qu'on en reste là. Ah non, dis pas ça, s'il te plaît, écoute. Bébé, t'as besoin de repos, t'es fatigué, c'est la pression du tournage. Hein. Alors écoute, on va faire un week-end tous les deux en Picardie, puis tu vas voir, ça va aller beaucoup. Mais j'ai pas envie d'aller en Picardie, moi. Parce qu'à là, je te propose la Creuse. Tu vas voir, j'ai un petit mobilhome là-bas, tu vas adorer. J'ai quelqu'un d'autre. Quoi? Je te quitte pour un autre. Mais c'est qui? Est-ce que je le connais? Est-ce que c'est quelqu'un de l'équipe? Arrête! C'est quelqu'un de l'équipe, je le sentais. Hein. Dis-moi qui c'est. Lâche! Dis-moi qui c'est parce que c'est une ordure et je vais lui faire la peau là. Lâche-moi! Dis-moi qui c'est. Ah! Attention, Chouchinou! Tu vas finir par m'énerver! Voilà! Je saurai qui c'est. Hein. Avant la fin du tournage, je saurai qui c'est. Figurant. Lola! C'est un figurant? Lola! Lola! Oh la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oh la belle vie, on est seul, on est libre et on traîne. La la la. André, je peux vous parler 2 minutes? C'est au sujet de mon scénario. Ton scénario? Oui. Ah oui, je l'ai lu. Formidable. Quelle finesse. Quelle poésie. J'ai été subjugué. Je suis très touché, André. Hein.
Mais je ne vous l'ai pas encore donné. Hein. Ah bon? Très bien, écoute, Baptiste. Vous vous souvenez, je vous en avais déjà parlé. C'est l'histoire d'une jeune fille qui perd ses parents pendant la guerre et qui se réfugie chez des collabos qui la torturent. C'est une comédie. Eh, hey, Baptiste, la guerre, la grande vadrouille, la 7e compagnie, Hartung bicyclette, pompe à vélo, la guerre, c'est toujours drôle. Ah ben non, mais c'est tiré d'une histoire vraie, hein. C'est l'histoire de... C'est l'histoire de ma grand-mère. Elle a dû se marrer. Pas tout le temps, hein. Pas tout le temps, hein. Alors, je peux vous le donner? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est mon scénario. Mais oui, tiens, voilà, là, je vais le lire. T'iras loin, mon Baptiste. Je ne sais pas. Si, tu plais. Alors, comme c'est un peu mon bébé, que c'est moi qui l'ai écrit, je pensais que je pourrais peut-être le réaliser moi-même, quoi. Mais évidemment, qui d'autre? Après tout, c'est ta grand-mère. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et vous savez, pour le rôle de la jeune fille... Oui, le rôle principal. Oui, oui. C'est important, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper, ça c'est sûr. Alors, moi j'avais pensé... Et ta grand-mère, va le faire. Ah ben non, elle n'a plus l'âge du rôle. Hein. Ah, un petit coup de blush. Ah non. Non. Mais non, mais elle est morte. C'est définitif. En tout cas, on n'a plus de nouvelles d'elle, hein. Ouais, alors on oublie. On oublie. Moi, justement, j'avais pensé à Lola. À Lola? Oui. Ah, Lola. Elle est mignonne. Impossible. Ah bon? Mais non, impossible, elle est mignonne, mais elle n'est pas bankable, Lola. Ah bon? Non, c'est ton premier film, Baptiste, il faut du lourd. Aïe. Baptiste, si tu prends Lola, tu te tires pas de... Aïe, oui, c'est sûr. Non, je réfléchis, mais... Non, écoute, si tu veux que je produise ton film, il faut vraiment que tu penses à Catherine Baudrey. Vous croyez? Oui, j'en suis sûr. Ah, d'accord. Si, Luigi. Ciao. Come stai? Bene? Si. E la mamma? Va bene la mamma? Sì. E i bambini? Come stanno i bambini? Bene. Tutto bene. E merda! Non, c'est bon. Mais non, Luigi, tu penses... Eh oui, Luigi, je m'en suis occupé. Tu penses bien? J'allais vous appeler. Oh, Baptiste, c'est personnel. C'est mon scénario, ça. Mais oui, Luigi, on est d'accord. C'était bien 60 000 euros, hein. Oui, mais oui, il n'y a pas de souci. Oh putain, Luigi, j'ai plus de pièces. Luigi, je te rappelle pas. Rose, ma colombe. Oh, Christina, vous êtes là. Regardez, j'ai un petit souci avec ma robe. Oh, cassé. Non, pas cassé, décousu. Vous savez coudre? Bah. Mais attention, hein, j'ai simplement besoin d'une petite retouche. Rebouche. Non, retouche. C'est pour l'ourlet. Oh, pour l'ourlet. C'est cela, oui. Rose, ma colombe, tu es là, je te cherchais partout. Je ne vais pas te déranger longtemps, j'en ai pour une minute. Christina. Bah. Vous pouvez nous laisser un instant? Bah. Laisse-la. Elle est en train de me reboucher un bourrelet. Je t'écoute. C'est au sujet de mon chèque. Je pense que tu as fait une petite erreur. C'est vrai? Tiens, voilà, regarde. Ah oui, je n'ai pas mis la date. Oh, autant pour moi. Non, c'est pas la date. La date, c'est bon. Non, la date, ça va. Non, c'est le montant. Parce que tu te souviens, on avait dit 60 000 euros, pas 6 euros. T'as oublié les zéros, ça arrive à tout le monde. Mais je n'ai rien oublié du tout. C'est bien 6 euros. Comment ça? Bah, tu peux t'en acheter des boîtes d'allumettes pour 6 euros. Non, mais sérieusement. Ah, mais je suis sérieuse, André. Tu n'auras pas un sou de plus. C'est 6 euros, c'est tout. Rose, ma colombe, je ne voudrais pas te paraître insistant, mais les frères Luciano ne sont pas du tout du genre accommodant. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Non, mais à toi, je sais pas, mais moi, si je rembourse pas ce soir, il me casse les jambes. Oh, ben tu pourras toujours jouer du piano. Non, je plaisante pas, Rose, ce sont des vrais méchants, pas des petites frappes. Hein. Ah, clap! Non,
Mais moi non plus, je ne plaisante pas, André. Et figure-toi que ce n'est qu'un début parce que je demande le divorce. Mais enfin, pourquoi? Parce que je ne t'aime plus. Ce matin, je me suis réveillée. Tu n'étais pas là, comme d'habitude. Et j'étais heureuse. Donc, j'ai décidé d'être heureuse tous les matins. Non, mais Rose, tu ne peux pas nous faire ça. Ah, et pour commencer, tu es virée. Mais tu n'as pas le droit. Ah, mais la société de production est à moi. C'est mon argent. Je fais ce que je veux. Ah, et tu quittes mon appartement dès ce soir. Non. Si, mes avocats vont prendre contact avec les tiens. Si tu as de quoi t'en payer. Non, mais si tu crois que je vais me laisser faire, c'est mal me connaître. Bon, c'est terminé. Pardonne-moi, André, mais le septième art ne réclame pas. Oh, Rose, ma colombe, allez, on dit mon visage, je te pardonne. Allez. Baptiste, oh pardon, je t'avais pas vu. T'as pas vu, Christina, j'aurais besoin d'un raccord coquillage. Coquillage? Non, je l'ai pas vu, mais attends la marée. Hein. Dis-moi, oui. Y a de l'eau dans le gaz entre Francis et Lola. Oh, tu m'étonnes. Remarque, il a échappé belle. Hein. Ah bon? Ben, elle est un peu spéciale, la petite, tu savais pas? Ben non. Elle est complètement... Elle peut devenir hyper violente d'un coup. Qui ça, Lola? Ouais, moi j'ai un copain réalisateur. Il devait faire un film avec Lola dans le premier rôle. Finalement, il a pris quelqu'un d'autre. Et ben, elle a pas loupé, hein. Ça alors? Bon, il va mieux. Il va mieux. Il est toujours aveugle. Et il recommence tout doucement à marcher. Ah, mais tant mieux, hein, tant bon, mieux. Bon, mais là, c'est différent. C'est elle qui quitte Francis. Il ne risque rien. Ah ouais, lui, il risque rien, lui, hein. Ça, c'est sûr, hein, c'est sûr. Hein. Ah, Christina. Ah. Excuse-moi. Ah ouais, je t'en prie. Comment dit-on dans ta langue, je sais pas trop, hein, pourrais-je mettre une bûche dans la cheminée? Bûche. Cheminée. Da. Alors, t'es là, mon amour? J'espère que tu as donné ton scénario à entrer. Mon scénario? Oui, bien sûr. Oh, il a lu deux fois. Il a dit, oh, c'est formidable. Je veux produire ton film et je veux que ce soit Lola dans le premier rôle. Génial, génial. Oh, ça y est, je l'ai, mon premier rôle, ça y est. Mais c'est super. J'en suis tout secoué. Hein. J'espère seulement que tu pourras faire le film. Hein. Comment ça? Suppose que les Américains te proposent un film avec avec George Clooney, par exemple. Oui, mais on ne me le propose pas. Lola, un film avec George Clooney, ça ne se refuse pas. Certainement, mais on ne me le propose pas. Sache que je ne t'en veux pas. Hein. Tu préfères tenter ta chance aux États-Unis. Je ne veux pas être celui qui t'empêchera de faire une carrière internationale. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Si je suis déçue. Bien sûr que je suis déçu, hein. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas faire mon film, tu ne peux pas. T'es pas libre, hein, c'est pas grave. Écoute-moi bien, mon chéri. Je suis libre. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, là. Mais là, tu me fais mal. Ah, mais non. Non, c'est... non. Là, je te fais mal, là. Ah, oui, c'est mieux, là. Ah, là, c'est mieux, là. Ah, oui, c'est mieux. Au fait, c'est fini avec Francis, je lui ai dit que j'avais quelqu'un d'autre. Bon, tu as quelqu'un d'autre? Ah, et qui c'est? Ben oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais on s'en fout, je suis tellement contente, j'ai un premier rôle. T'as un premier rôle? Et dans quoi? Ah ben oui, c'est vrai. Mais chut. Nobody needs to know. Discretion. Promis, pas un mot. J'ai un premier rôle. Oh.
Elle veut me quitter. Qui ça? Lola. Elle veut me quitter, Lola. Oh, t'en as de la chance. c'est bien la France, hein, c'est bien la France. Hein. Elle a un amant. Ah bon? Elle me l'a dit. Mais tu sais qui c'est? Non. Mais ça va alors, ça va. C'est quelqu'un de l'équipe, j'en suis sûr. Non. C'est une ordure. Ah non, c'est pas une ordure. Non, c'est pas une ordure. Tu sais, Lola, moi je la connais. Elle aurait jamais pris d'amant. Elle est tellement innocente et toute douce. Douce? J'aurais pas dit ça. J'aurais pas dit ça. Oh, quel salaud! T'imagines un salaud pareil? Mais tu ferais quoi à ma place? Tu me tuerais, toi? Pas forcément, hein. Bah moi, je vais le tuer. Mais avant de le tuer, je vais le faire souffrir. Dis donc, Francis, et si c'était elle qui l'avait séduit? Elle est peut-être pour quelque chose, non? Ah, tu crois que je devrais les tuer tous les deux, en fait? Oui! Non. Je disais simplement que... tu sais ce qu'on dit? Non, qu'est-ce qu'on dit? Une de perdue. Ouais. Dis-y au revoir. Tu sais, moi, Lola, je l'aime. Elle est tout pour moi, tu sais. C'est mon univers, Lola. C'est mon soleil. C'est moi, c'est ma rose, ma colombe, elle est tout, tu vois. Je peux pas. Et ça, c'est mon scénario, ça. J'avais prévenu de l'emmener en Picardie, tu sais. Oh, la vénarde! Tu connais Villers-Bretonneux? Non. C'est une trentaine de kilomètres d'Amiens, un bon quart d'heure par la Nationale, c'est très beau. Mais c'est pas loin, hein. On ira à pied. Hein. Écoute, Francis, oublie cette histoire d'amant. Non. Pense à ton film, c'est quand même beaucoup plus important, non? Ah oui, mon film, ouais. Mais t'as raison. Faut que je me ressaisisse quand même. Je suis un professionnel quand même. Hein. C'est ça. Bon, t'as raison. Ressaisis-toi. Ouais. Hein, t'inquiète pas, on n'en parle plus. Non, on n'en parle plus. Allez, c'est terminé. Allez, c'est terminé, on n'en parle plus. Ok, allez, dis-moi ce qu'on tourne maintenant. Vas-y. Ben, là, on va tourner la scène, la scène de l'amant, là. De l'amant? Mais non, pas de l'amant! Mais non! Non! Mais dès que je vois Philippe, je dis qu'on commence par sa scène! Attends. Ah ouais. Ah oui, là, c'est beaucoup mieux, ouais. Ouais, écoute, désolé, mais tout à l'heure, ça a coupé. Ah, dis donc, j'ai jeté un coup d'œil sur la voiture que tu voulais acheter. Ah, dis donc, Jojo, Christina, tu la connais bien? Ah, bah oui, mais bon, elle a des problèmes de fuite, hein. Quoi? Oh, bah t'avais pas remarqué? Bah non, je la connais à peine. S'il y avait que ça. Eh ben, il y a quoi d'autre? Bah, disons que... elle a un petit souci à l'allumage quand elle est froide le matin. Ah, dur, ça c'est... Mais bon, ça reste une belle affaire quand même. Tu m'étonnes. Et tu veux y mettre combien? Ah bah, s'ils vont payer. Oh ben, c'est toi qui vends, hein, mais bon, si tu as envie d'une étrangère... Oui, mais bon... Eh ben, c'est celle-là qu'il te faut. Elle est hyper souple. Ah. Elle se manie avec un doigt. Mm-hmm. On rentre facilement à 7 dedans. Et en plus, elle a le doigt ouvrant. Le doigt ouvrant? Ah ben oui, c'est sympa l'été. Bon, écoute ma poule, faut que je te laisse parce que là, j'ai du taf. Ouais, on se rappelle? Ok, on se rappelle. Ah, ciao. Téléphone. Oh, pardon, je t'avais pas vu. Dis-moi, Christina, tu la connais bien? Ah ben ouais, très bien, pourquoi? Ben parce que je crois que j'ai une ouverture avec elle. Ah oui? Ah ben dès le début, j'ai senti qu'elle n'était pas insensible à mon charme. Ça me fait le coup à chaque fois, tu connais mon problème. Ah oui, c'est vrai, tu klaxonnes. Non, je rayonne. Eh ben vas-y, fonce, qu'est-ce que t'attends? Il y a un petit problème de communication avec elle, hein. Clap, clap, dada. Oui, dada, ouais. Ben écoute, ça te fait déjà 4 mots, hein. Ouais, mais c'est mec pour l'inviter. Ouais, mais c'est mec pour l'inviter à dîner, hein. Eh ben écoute... Ah ben tiens, justement, là, voilà, bouge pas, Christina. Ah ben, tu peux lui demander? Ouais. Christina? Ah. Elle est pas libre.
Alors là, je suis scié. Je suis scié. J'ai rien vu. Mais alors, rien du tout. Bon, ça me gêne pas, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, c'est dégueulasse, quand même. T'as pas vu Philippe ? Non, non. Ah, mais si, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il y a André qui te cherche partout. Ouais, mais non, mais viens, 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 j'ai quelque chose à te raconter. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? T'es au courant pour que je joue avec Christina ? Non. Ben, elles sont. Ensemble ? T'es sûr ? Ah, ben oui. Je les ai vues. Jojo ? Oui. Jojo et Christina ? Ouais. Oh, ça alors ? Oh, j'aurais jamais cru Jojo avec un homme, hein. Alors là, alors là, alors là. Je l'ai lu. Comment ? Ton scénario, chérie. Je l'ai lu. Ah, tu l'as trouvé. Formidable. Formidable, ça fait longtemps que je n'avais pas lu quelque chose d'aussi sensible. Oh, merci, Rose, merci. Oh, cette histoire de cette femme en pleine guerre et son histoire d'amour avec ce pilote anglais, oh. C'est très, très fort. Oh, oh, je suis très touchée, Rose, mais vraiment très touchée. Tu sais écrire pour les femmes, toi. Ça se sent. Oh. Ah oui, 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 je te sens bien, là. Hein, là. Là, je te sens bien. Alors, non seulement je veux jouer dans ton film. Mais, bien sûr, bien sûr. Mais je veux le produire. Ah bon ? Parce que André me disait que... Mais oublie, André, il est fini, André, c'est du passé. C'est moi qui vais produire ton film. Ah ben, d'accord, moi je suis tout à fait d'accord, hein. Alors, justement, dans le rôle de la... Oh, première... mais je vois très bien comment je vais interpréter cette ravissante adolescente avec tous ses charmes, ses forces, ses faiblesses. Mais quelle adolescente ? Clara, le premier rôle. Tu veux jouer le rôle de Clara ? Évidemment, pas d'autre. Non, 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 moi je crois que le rôle le plus intéressant, c'est celui de Martha, hein. La grosse Martha. Prostituée allemande. Enfin, il n'y en a qu'une seule, chérie. Mais tellement drôle ! À un moment, elle est tarte, hein ? Non, 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 pour moi, il n'y a qu'un rôle donc, qui soit possible, c'est celui de Clara. Terminé. Ah, et il faudra aussi trouver quelque chose pour la petite Lola, hein. Pardon ? Oh, nous parlions du film de Baptistin. Ah, c'est rien, ça, oh, ce scénario. Ce n'est pas rien, je vais le produire. Ah bon ? Je ne savais pas. Mais moi non plus. Moi non plus. Tu as aimé le scénario, alors ? Oh, j'ai adoré. Adoré. Le premier rôle féminin est absolument formidable. Formidable ! Je me suis tout de suite identifiée. Formidable, formidable. N'exagérons pas, hein, quand même. Et pourquoi tu ne jouerais pas dedans, Rose ? Oh, mais c'est prévu. Ah. Je le sens mal. Ah, je le sens mal. Je suis Clara, la jeune héroïne. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je ne sais pas. Oh, bien sûr, mais parce qu'en fait, il y a deux Claras. Deux, et elle, c'est la Clara avec les plumes roses. Et notre petite Lola, qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire ? Baptistin, ah, je crois qu'on m'appelle. Je crois qu'on m'appelle, hein. Tu bouges pas, toi. Mais Martha, elle serait parfaite en prostituée allemande. Il faut réfléchir. Oui, on en reparlera plus tard. Je vous laisse, les enfants, à tout à l'heure. Écoute, mon amour, je vais t'expliquer. C'est très simple. C'est très... Non, 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 pas les yeux, pas les yeux, pas les yeux. Ne t'inquiète pas, mon souchinou. Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Ah, oui, c'est sûr. Je sais bien que c'est compliqué, ce métier. Ah oui, c'est compliqué. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. C'est normal. C'est normal. Mais sache que moi, je t'en veux pas du tout. Ah, mais... Parfois, il faut faire des concessions. Ah oui, il faut faire des concessions. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie. Mais moi, je sais que tu feras tout pour me donner le premier rôle. Tu te le jures, hein, le rôle de Clara, j'ai écrit pour toi. J'ai entièrement confiance en toi. Ah, mais tu peux. Tu peux avoir confiance en moi. Tu m'as mon amour, ma colombe, t'es... ma cracotte. Bon, alors, Baptiste, on fait quoi ? On reprend ou quoi ? On va être en retard. On y va, Jojo. Allez, on reprend, hein. Bon, alors, tout le monde en place. Allez, on reprend. Tout le monde en place, on reprend. Bon, et la lumière, on est bon ? La lumière, Ouais, c'est bon,
lampe. C'est bon, la lumière. Et Philippe, il est où, Philippe? Ben, je suis là. Non, je t'ai pas vu. On t'a donné ton pistolet? Non, pas encore. Ah, ben tiens, justement, il est là. Je te l'ai chargé à blanc. Merci. Un thé, un café. Tisa, tu veux quelque chose, ma petite Rose? Oui. Je voudrais bien ne plus voir ta tronche. Le sucre sans le sucre. Dis donc, ça va, Francis? Parce qu'il n'a pas l'air bien, hein? Non, 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 mais... ça va aller, t'inquiète pas, ça va. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on tourne, là, maintenant? Ben, on va tourner la scène de l'amant. Et je suis dans cette scène. Mais bien sûr. Bien sûr que tu es dans cette scène. Ouais, mais il nous faut un amant. Mais c'est un petit rôle, on a dit qu'on prendrait un figurant. Ah ouais? Ouais. Ok. Bon, ben on va prendre un figurant alors. Alors, qu'est-ce que tu veux, Baptiste? On a un peu de tout comme genre, hein? Pas trop jeune, hein? Pourquoi pas trop jeune? Ben oui, pourquoi pas trop jeune? Ben, je veux dire, quelqu'un d'expérience, quoi. Oui, enfin, il faut quand même que notre couple soit crédible. Entre 20 et 25 ans, là-bas. Bon, alors, qui peut faire l'amant? Attention, hein, il faut qu'il ait une chemise bleue. On doit être en raccord, on l'a déjà vu le dos. Hein. Ah oui, oui, c'est vrai, ça. Alors, qui a une chemise bleue parmi vous? Des chemises bleues. Ah, oui, allez. Ceux qui ont des chemises bleues, là, levez la main. Allez, levez la main. Allez. Allez, levez la main, ceux qui ont des chemises bleues. Allez. Et on prénonce, ça a un prénonce, on en voit, hein. Pas mal, hein. Il y en a plein, hein. C'est super, hein. Mais il faut qu'elle soit un peu froissée, tu vois. Ah, d'accord. Un peu défraîchie, pas repassée. Et là, non, ça a été trop propre. Alors, qui a une chemise bleue pas très propre? Levez le bras, on va le voir tout de suite. Hein, on va le voir tout de suite. Allez-y, allez-y. Allez, allez, allez. Pardon, madame, excusez-moi. Oh, il y avait monsieur là-bas, Jojo. Oui. Là, de ce côté-là, il y avait monsieur avec une chemise bleue, là. Ici. Et dès que tu as dit pas très propre, il a baissé le bras. Ah, oui. Celui-là aussi. Où ça? Là, 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 Jojo, là, celui qui ne te regarde plus, là, dans ma tête, il ne te regarde plus. Ah, c'est lui, là, voilà. En plus, il a tête d'abord, hein. Et ce soir, il y a une scène d'amour avec Lola. Non, 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 c'est pas Lola. Ah non, ce soir, c'est avec Philippe. Non, il est pas là, il est pas là. Il veut pas, bon, laisse tomber. Alors, qui c'est qui a une chemise bleue, là? Allez, les autres chemises bleues, là, parmi vous. Il y en a d'autres? Il y en a d'autres parmi vous. Allez, allez, on lève la main, là, c'est fini, là. Dès qu'on a dit, c'est fini, là. Dès qu'on a dit qu'il y avait une scène un peu... Oh, ouais. Oh, mais là, allez. Venu spontanément, hein. Oula, Baptiste, oh, ouais. Là, le trac. Bon, personne ne vous regarde. Personne. Hein? Et alors, on a dit pas de photos ni de vidéos. Hein? On respecte la vie privée, d'accord? Bon, c'est comment votre nom? Oula. J'ai rien entendu, là. Ouais, parlez un petit peu plus fort, j'ai rien entendu. Arnaud. Arnaud! Moi, j'avais compris Margot! Je me disais aussi que c'était pas possible. Hein. Bon, ben, ça sera Arnaud ce soir, alors. Hein. Rose, je vais te présenter Arnaud, qui va jouer ton amant. Ça te va? Il n'y avait pas mieux. Ben non, pas vraiment. Hein. Il a une chemise bleue, pas très propre, réfléchie. Je crois qu'il est pas mal, non? Bon, ben, d'accord, s'il n'y a pas mieux, évidemment. Ben voilà.
Bon, Arnaud, sinon, dans la vie, là, de tous les jours, à part faire figurant, vous faites quoi? J'ai rien entendu, là, j'ai compris. Conducteur de tank, là, je sais pas. Donc, parle un petit peu plus fort, je comprends pas. Je travaille dans une banque. Dans une banque? Ah, il travaille dans une banque! Oh là là, on a de la chance ce soir, hein. Oh là là, mais c'est super, hein. Et sinon, vous êtes venu comment? En voiture. Oh, c'était pas la question. Petite, c'est à nous de faire rire. Non, c'est ma faute, je me suis mal exprimé. Je voulais dire, vous êtes venu en famille, en couple. En famille. Ah, en famille. En famille. En famille. Qu'est-ce qui va vous chanter, petit garçon? Oh non, c'est autre chose, c'est autre chose. Francis, ouais. Tu veux continuer la séance? Je te présente Arnaud, qui va faire l'amant de... Non, je ne le sens pas, je ne le sens pas, moi. Il va faire l'amant de Rose. L'amant? Non, 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 non. Le petit ami, le petit ami. Bon, allez. Bon, mais on va faire la mise en place, alors. Hein? On va faire la mise en place. Arnaud, une mise en place, c'est une répétition, d'accord? Hein? Ok? On répète d'abord, on ne tourne pas, hein? Allez, on va faire la mise en place. Philippe, s'il te plaît. Philippe, s'il te plaît. Ben, je suis là! Mets-toi là, Philippe. Rose, ben, j'y suis. Sur le banc, s'il te plaît. Merci. D'accord? Hein? Mise en place, on ne répète pas, on ne tourne pas, d'accord? Alors, c'est très simple et très court à la fois. À mon signal, et seulement à mon signal, vous vous mettrez devant Rose, parce que Philippe menace Rose de son âme, d'accord? Comme ça. Ne tirez pas! Hein? Partez dans la banque, vous avez l'habitude. Hey, on peut pas la faire tous les ans. Bon, donc je disais, donc vous êtes l'amant, vous surgissez de la salle parce que Philippe menace Rose de son arme, parce que le téléphone dring, la femme elle a fait chut, sors, Jacqueline. Vous avez suivi depuis le début? Parce que j'ai l'impression que vous ne comprenez rien ce que je dis. Ça va aller, hein? Ça va aller, hein? Bon, donc, vous allez vous mettre comme ça, je vais vous montrer, hein? Vous allez vous mettre accroupi, comme ça, d'accord? Alors, comme un départ de sang, ça sera plus simple. Pour vous, ça sera plus simple. Voilà, mettez-vous comme ça. Voilà. Comme ça, ça va vous donner de l'élan pour partir. Hein, ça s'appelle une entrée de champ, d'accord? Allez, on va la faire ensemble une fois, hein? On va la faire ensemble tous les deux, d'accord? Attention, hop! Oh là là. Oh là là là. Arnaud, ensemble, c'est tous les deux en même temps, hein? Allez, c'est pas grave, on va la refaire, hein? Bon, vous pouvez la faire en canard, si vous voulez. Non, bah, il faudrait peut-être commencer à répéter, mais dans les starting blocks, et puis un bon moment, on y va. Oui, on la répète une fois pour Arnaud, hein, d'accord? Allez, vas-y. Je sais que ton amant est dans la salle et je suis venu pour vous tuer tous les deux. Charles ! Allez-y, hein. Allez-y. C'est bien, hein. Le mouvement est très aérien. Et c'est la bonne direction, alors. On avait juste pas dit d'y aller au ralenti. Voilà, là, elle a eu le temps de prendre tout le chargeur. Sinon, un peu plus d'énergie quand même. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau vocal, là, vous êtes à votre maximum? Parce que j'ai l'impression qu'on ne vous a pas entendu. Moi, j'ai entendu « ne brillez pas ». Moi, j'ai entendu « ne tripotez pas ». Moi, j'ai entendu « j'enlève le bas ». Vous voyez Arnaud, hein? Un tout petit peu fort, hein? Allez, on la répète encore une fois, allez-y. Parfait! Parfait, hein? Bon, on continue alors. Ouais, de toute façon, on n'aura pas mieux.
Je veux dire que c'est de mieux en mieux, Arnaud, hein, c'est de mieux en mieux, hein. Mais vas-y, vas-y. Assieds-toi, salaud ! Ne le prenez pas pour vous, hein. C'est dans le scénario, moi je le connais pas. Hein. Ouais. Donc, à ce moment-là, Rose, tu dis ta réplique, attention, Edgar, il est armé, coup de feu, oh ! Et tu meurs, d'accord ? D'accord. Edgar ! Mais plus personne s'appelle Edgar ! C'est ridicule ! Ah ben oui, ben oui, ouais, moi, ben oui. Bah, pourquoi pas, Arnaud ? Oh, non, mais, non, mais là, non. C'est pire. Ah oui, c'est pire, c'est pire. Donc, ben, alors, tu dis, attention, il est armé, coup de feu, ah, et tu meurs. D'accord. Hein, c'est bon, là. Mais non, mais attends. Il le voit bien qu'il est armé. Elle n'a pas besoin de lui préciser. Ah ben oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, attention, coup de feu, ah, et tu meurs. D'accord. Mais enfin, l'autre, il a un flingue, c'est sûr qu'il va faire attention, il n'est pas fou. Ah oui. Eh oui. Bon, alors, coup de feu, ah, et tu meurs. Oui, je peux rentrer chez moi. Ah ben, non, Rose, il faut que dans ce ah, on sente toute la passion que tu as pour cet homme. Si, tu vas te sacrifier pour lui. Tu vas te sacrifier pour lui. Oui, peut-être, alors. Donc, à ce moment-là, Rose est touchée et elle va tomber dans vos bras. Hein. Attention, Arnaud, hein, c'est pas une petite selle, là. Hein, c'est du lourd, hein. C'est du lourd. Mais je ne suis pas lourde. Mais Rose, il veut dire que c'est une lourde responsabilité. Voilà, c'est ça. C'est une lourde responsabilité. Hein, donc... Préparez-vous à la recevoir, apprenez la position dite du Playmobil. Là, super. Oh là là ! Non ! Oh là là ! C'est pas gagné. Donc, Rose est touchée, elle tombe dans vos bras et vous la dosez délicatement contre le bassin. Et moi, je suis où ? Dans mon cœur ! Non, toi, en bas de l'escalier, évanoui, tu te réveilles, tu te précipites vers Rose et tu dis « Oh mon Dieu !» D'accord ? Oh mon Dieu ! Voilà, d'accord ? D'accord. Allez, on y va. Allez, vas-y, Philippe. À toi. Ah, c'est toi, salaud ! Bon. Oh ! Ça y est, on l'a perdu là. On a respiré la couleur de la perruque. Bon, c'est pas grave. On va continuer, hein, d'accord ? Donc, attention, s'il vous plaît. Grande séquence, pleine d'émotions, de poésie et de douceur. Vas-y de là. Oh mon Dieu ! Merci Lola, bravo! Ah mon Dieu! Merci Lola, merci, c'est super! Ah mon Dieu! Merci Lola! Ça va Arnaud? Ça va? Oh, il n'entend plus, il ne voit plus! Il a dit, mais pourquoi j'ai mis une chemise bleue ce soir? C'est pas grave Arnaud, alors, c'est bien, on va continuer. Bon, à ce moment-là, Philippe, pris de panique, tu jettes ton arme par terre, d'accord? Okay. Et vous allez prendre une pelle. Jojo, s'il te plaît, la pelle. Voilà. Allez, hein, tu vois, prenez bien la pelle. Il n'y a pas de souci. Oh, une pelle de pelle. Ouais, non, un petit peu de sérieux, là. Mais attends, il se marre, le gars. Non, c'est pas grave, il va la payer. Il m'a fait une pelle de pelle et il se marre. Il va la payer. Ah non, c'est bon. Hein, Ardo, ça va? Hein? Allez, c'est pas grave, hein? Allez, on fera l'appel tout à l'heure. Hein? Ah non, c'est bon! Tiens! J'ai le son qui va avec! Bon, mais. Faites voir un peu, voir si vous faites peur, là. Ah! Non! La terreur des bacs à sable, hein? Bon! Donc à ce moment-là, vous levez la pelle, hein, comme ça, vous poursuivez Philippe de partout où il va et vous lui dites « J'aurai ta peau hors dure, d'accord ?»
Allez-y une fois pour voir qu'on rigole, qu'on répète. J'aurais pas pour. Oh là là, mais on a rien entendu. Moi j'ai entendu gratte-moi le dos, Arthur. Moi j'ai entendu j'ai la colle sous ma coiffure. Moi j'ai entendu j'ai un chagrin d'amour. Non mais vous voyez Arnaud, hein, vous voyez, hein, un petit peu plus fort, hein. Bon allez, dites-le encore une fois, puis après je vous embête plus. Allez-y. J'aurais pas. Top, top. De toute façon vous serez doublé. Alors, donc à ce moment-là, vous courez derrière Philippe et vous le suivez de partout où il va. D'accord ? Allez, vas-y, Philippe, vas-y. Allez, allez, allez. Allez, lentement, il ne va pas carré là, celui-là. Bon, mais c'est super, hein. Mais Francis, c'est comme tu veux, hein. Tu veux me parler peut-être encore une fois ? Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on y va ? Allez, tout le monde en place, on y va ! Allez, on y va. Je tire cette fois-ci, Jojo. Dis donc, tu pourras me mettre le projecteur à l'arrière ? Baptiste, ah ouais. Je tire cette fois-ci. Dis donc, tu me feras penser à revoir le planning pour demain. Francis, je tire cette fois-ci. J'ai tout quitté pour aller tour. Rose, je tire cette fois-ci. Là, j'ai très très chaud. Christina, il faudra mettre un chapeau à Arnaud et lui enlever le pantalon. D'accord. Ah. Voilà. Pas le pantalon, Christina, pas le pantalon. Excusez-moi. Est-ce que je tire cette fois-ci? Oui. Merci. Ça va, Christina, merci, c'est bon. Clap. Non, je vais le faire moi-même. Non. Bon, et Philippe, il est où, Philippe? Ben, je suis là. Ah, par contre, je t'avais pas vu. T'oublie pas de tirer cette fois-ci, hein. Ah, ben quand même. Ah, ben dis donc, ça me va bien, hein. Et on vous a déjà dit que vous aviez une tête à chapeau? Non. Jamais? Mais c'est normal. Non mais, on rigole, hein. C'est la famille du cinéma. Allez, Francis, mais comme tu veux, c'est bon. Allez, c'est parti, bon, allez, moteur. On va rechecker tout ça. Arnaud, vous mettrez là, devant Rose, et vous direz... Ne tirez pas. Et ensuite, vous courez derrière Philippe et vous direz... J'aurai ta peau. C'est bien, c'est magnifique. Deux francs, c'est génial. Allez, mettez-vous là, hein, comme au début. Hein. Voilà. Mettez-vous à profil. Oui, hein, voilà. Préparez-vous. Hein. Allez, hein. Ça peut lancer notre carrière, Arnaud. Hein. Je ne sais pas où, mais ça peut lancer notre carrière. Allez. Merci, joli. Allez. Moteur. Ça tourne. Annonce. Alors une étoile est bientôt morte. Ça dépend d'Arnaud. 24 sur 2, première. Action. Je sais que ton amant est dans la salle. Et je suis venu pour vous tuer tous les deux. Charles. Ah, c'est toi, salaud. Quelqu'un a-t-il pris son maillot de bain? Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità,
bene pure il cielo che ci guarda dall'assù. T'as fini de brailler? J'étais juste en train de me remémorer tous ces merveilleux moments que nous avons vécu ensemble. Tu te souviens? Ah non. Mais si, c'est notre chanson. On s'est rencontrés sur cette air-là. Mais non, chérie, ça c'était avec ta première femme. Mais pas du tout. Si. Ah oui, attends pour moi. Ouais. Nous nous sommes rencontrés sur le générique de Questions pour un champion. Tu l'avais oublié. Mais pas. Rose, ma mais colombe. Qu'est-ce qu'il me veut encore hein? Mais tu ne peux pas anéantir toutes ces années de bonheur comme ça sur un bouquet. Ces années de bonheur. Et les enfants, tu as pensé aux enfants? Mais on n'en a pas. Hein. Mais si on en avait, est-ce que mais tu penses? Fous-moi la paix à la fin. Attention, si je pars maintenant, c'est fini pour toujours entre nous. Réfléchis bien. Eh ben, la sortie, chérie, c'est par là. Non, réfléchis mieux. Tout ce qui t'intéresse, c'est mon argent. Pour tes maîtresses et pour tes dettes de jeu. Mais quelles dettes de jeu? Les frères Luciano. Mais c'est fini, ça. Ce sont des amis. Je les ai appelés. Ils m'ont accordé un délai. Deux. Demi-heure. Je t'en supplie, tu peux pas me laisser. Ils vont me tuer. Tu peux pas me laisser, Rose. Ils vont me demander ma pointure. Et pour les chaussures en béton, ils vont me couler, Rose. Tu peux pas me laisser comme ça, ils vont me couler. Ah, je sais. J'ai pas toujours été un mari exemplaire. C'est la dernière fois que je te le demande, s'il te plaît, je t'en supplie. Un chèque avec des zéros. Calme-toi, André. C'est si grave que ça? Mais oui. Ils vont vraiment, vraiment te tuer? Mais oui! T'es sûr? Mais oui! Tant mieux! Ah, d'accord, tu veux la guerre? Tu l'auras. Je prendrai les meilleurs avocats, j'ai droit à une part de ta fortune! Mais tu n'as droit à rien du tout, André. Tout est à moi. Et à moins qu'il ne m'arrive quelque chose, tu seras à la rue. Ou au fond de l'eau. Adieu, André. Si, Luigi. Ciao, come stai? Bene? Si. E là? Oui, j'arrête de parler italien, oui, d'accord. Non, tout va bien, Luigi, j'ai juste besoin d'un petit délai. Comment? Ma voiture? Mais Luigi, ça dépend de la marque. Moi, ça dépend. Je sais, Luigi, tu prego, non. Mais Luigi, tu peux pas me faire ça. Je vais trouver là. Luigi, j'ai peut-être trouvé une solution. Oui, oui, j'aurai l'argent. Oui, et même plus si tout se passe comme prévu. Oui, Luigi, à ce soir. Bisous. Et allez, ah, ça y va les SMS. Hein. Mon amour, je t'aime, tu me manques. J'ai rêvé de toi toute la nuit. Francis, tu n'aurais pas vu mon téléphone par hasard? Pourquoi? Téléphone? Pas du tout, pourquoi? Parce que je t'ai vu rôder auprès de mon sac tout à l'heure, je ne le trouve pas. Ah bah, pour qui tu le prends? Je vais pas m'abaisser à voler ton téléphone pour lire les SMS que t'envoies à ton amant. Je suis bien au-dessus de ça quand même. Et puis, tu peux te tenir prête, on va reprendre s'il te plaît. J'ai rêvé de toi toute la nuit, j'ai envie de te faire l'amour jusqu'au petit matin. Oh la vache! Francis! Ouais? T'as pas vu mon pistolet? Ton pistolet? Ouais. Alors que tu me prends, je vais pas m'abaisser à voler ton pistolet pour lire les SM. Non, j'ai pas vu, demande à Jojo, je sais pas. Clap! Dis donc, Cristiano! L'audio fait un rugby avec des potes, ça te dirait de venir? Il y en a des centaines et des centaines. Mon amour, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, ah, je t'aime. Je savais que c'était toi. Oh, mais c'était malade. C'est bien que j'ai appelé ce maker, c'est vachement dangereux ce que tu me fais là. Prends-le-moi. Dis donc, ça y va les SMS, hein. Eh, mon amour, je t'aime, tu me manques. Attention, il y a encore là le petit con. Prends-moi ça tout de suite. C'est moi le petit con? C'est qui ce 06 11 51 50 là, hein? Tu vas me le payer. Dis-le-moi, parce que je te le fous dans l'eau tout de suite. Hé, hey, tu vas souffrir, mon sous-genou, là. On vient de finir le dernier plan. Je te rejoins après le tournage. Ah, c'est quelqu'un de l'équipe, je le savais. Si tu me rends mon téléphone, je te dis qui c'est. Bah, dis-moi d'abord qui c'est.
Et je te rends après, voilà. Toi d'abord. Non, toi. Toi, Riz. Toi. Oui, toi. Francis. Toi. Mais, Lola, j'ai noté le numéro. Je m'en fous. Ça va, Francis? Qu'est-ce qu'il y a, toi? On commence quand tu veux, quoi. J'ai noté le numéro, moi. Il est là. Qu'est-ce qui lui arrive? De quoi il parle? C'est incroyable, ça. Baptiste. Oui. Baptiste. Quoi? Coupe ton téléphone, il a ton numéro. Le perso? Oui, coupe ton portable. Mais c'est Francis, il a ton numéro. Comment il fait avoir je mon numéro? Je sais pas, coupe-le. Je lui ai jamais donné. Heureusement que t'es là, mon amour. Heureusement que t'es là. Bon alors, Baptistin, qu'est-ce qui se passe là? Faudrait peut-être commencer à tourner. Hein. Oui, 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 j'arrive en vrai, j'arrive. On n'oublie pas de rallumer les portables, d'accord? Non, parce qu'on l'a dit, hein. On a dit que quand on tourne pas, on allume les portables. Ça y est, André, je suis là. Ça va, André? Ça va. Tiens, le pistolet de Philippe, faudra pas oublier de lui donner. Ah oui, d'accord, oui, je vais lui donner, André, pas de problème, je vais lui donner. C'est bon, il est chargé à blanc, Jojo vient de s'en occuper, tu n'as plus qu'à lui donner. Très bien, je vais lui donner. Qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais. Qu'est-ce que tu te demandais? Je me demandais si Philippe tenait bien son arme. Mais bien sûr, il la tient très bien, c'est un professionnel. Mais non, parce que lui, il la tient comme ça. Oui. Alors que les cowboys, ils la tiennent comme ça. Oui. Et De Niro, c'est le Hatta qui domine. Oui. Qu'est-ce que vous préférez, André? Comme ça? Comme ça? Ou comme ça? Non, mais attends, arrête un peu, Baptiste, parce que tu vas finir par blesser quelqu'un. Vise un peu par là, plutôt. Oh, mais ça risque rien, André. Vous avez vu Ça suffit. Tu oublies que ce revolver est chargé avec des vraies balles, et moi, en échange, je produis ton film. Comment ça? On va tirer sur Rose. Elle va moumou, et moi, en échange, je produis ton film avec Lola dans le premier rôle. Mais c'est un meurtre! Un meurtre, tout de suite! De toute façon, t'as pas tellement le choix. Comment ça? Tu veux que je te montre les photos d'un réalisateur qui a refusé de travailler avec Lola? Je sais, Philippe l'a déjà montré. Non, il t'a pas montré. Il t'a parlé, mais il t'a pas montré. Ah bon? Moi, je vais te montrer. Jette un coup d'œil, tu vas voir, c'est intéressant. C'est pas ça. Oh, quelle horreur! Mais non, ça, c'est ma sœur! C'est pas ça. Tu vois? Tu veux pas finir comme ça? Ça, c'est sûr. Hein, c'est... Et puis pense à ton film. Ah ouais. Qui tu préfères dans le premier rôle, Lola ou Rose? Ah ouais, c'est sûr que vu cet angle-là. Allez, marché conclu. Ah non, je ne peux pas, André. Baptistin, marché conclu. André, je ne peux pas! Marché conclu! André, je ne peux pas! Baptistin, marché conclu! Je ne peux pas! Conclu! Conclu! Top! J'ai gagné! On l'a refait! Non, j'ai gagné! Trois couleurs de peu, j'ai gagné! Allez, tout le monde en place, on est prêt à tourner, on y va! Allez! Ah, au fond, il était temps! Voilà. On est prêt à tourner, ça m'étonnerait parce qu'on n'a plus d'amant. Quoi? Le figurant s'est tiré. Francis, ouais. On n'a plus d'amant. Oui, moi j'ai plus de réseau. Si on n'a plus d'amant, on ne peut plus tourner. Désolé, André, désolé. Non, mais comment ça, on ne peut plus tourner? Vous rigolez ou quoi? On va pas annuler une journée de tournage comme ça, vous savez combien ça coûte? Jojo, on va prendre quelqu'un d'autre. Ah oui? Ouais. Ok. Bon ben, qui veut faire l'amant? Il y en a pas beaucoup. Non, mais finalement, ils sont pas assurés, eux. Ah oui, c'est ça. Non. Ils sont pas assurés, hein. Non, c'est trop risqué. Non, je pense que tu vas le faire toi, Baptista. Quoi? Oui, tu vas faire l'amant. Moi? Oui. Ah non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que je ne sais pas nager, moi. Mais si, c'est possible. Allez, tu me fais plaisir. Merci, Baptiste. Ah non. Christina, raccord coquillage et crustacé. On y va. Tout le monde en place. Philippe, viens, faut que je te parle. Rose, s'il te plaît, tu n'es pas dans le plan, là. Tu peux jamais aller dans la loge, si tu veux. Comment ça, je ne suis pas dans le plan? Mais tu n'es pas bien, toi. C'est ma grande scène. Celle où je meurs. Ah, ça c'est sûr, hein, c'est celle où tu meurs. Hein. Jojo, on ne peut pas changer l'affaire. Je ne prépare pas mourir d'une grave maladie, d'un accident d'avion. Quoi? Ouais, allez, en place, toi. Allez, en place, on est prêt à tourner. D'accord.
Allez, on y va, moteur. Mais... Baptiste, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas le moment de téléphoner, là. Baptiste. Mais non. Mais qu'est-ce qui se passe encore, là? Ouais, ça a sauté. Bougez pas, j'y vais, il y en a pour deux minutes. Bon, bah, on en profite pour allumer les portables, alors. Philippe. Quoi? Philippe. Quoi? Ne tire pas. Quoi? Ne tire pas, le pistolet est vraiment chargé. André a mis des vraies balles à l'intérieur. Oui, et alors? Mais alors, si tu tires, tu risques de tuer Rose. Peut-être. On se regarde pas. Mais t'es con ou quoi? Je te dis que tu risques de tuer Rose. Je suis un professionnel. J'ai une scène à tourner avec une arme. On m'a donné une arme. Je vais simplement faire mon métier. Le reste ne me regarde pas. Mais comment ça se fait? Ça fait 20 ans que j'attends ma chance. 20 ans que je rayonne tout seul comme un con. Et aujourd'hui, André me tend la main. Il me propose un premier rôle dans son prochain film. Un rôle à la hauteur de mon talent. Martha. Une prostituée allemande. Tout ce que j'ai à faire, c'est de tourner ma scène. Je serais fou de refuser. Il y a un problème, mon petit Philippe? Ben non, je ne crois pas, André, je crois. Non, parce qu'on perd du temps. Mais vous êtes vraiment des malades, tous les deux, là. Oh, je croyais qu'on s'était mis d'accord. Ah oui, oui, on s'est mis d'accord, je vais appeler la police. Avant d'appeler la police, mon ami, je voudrais te présenter les frères Luciano. Tu les connais, peut-être? Ils sont juste là. Ils sont venus parce que nous sommes en affaires et ils ont horreur des contretemps. Mais ça veut dire bon appétit. Non, ça veut dire, est-ce que tu as compris? Ah, autant pour moi. Ça veut dire... Ça veut dire quoi, déjà? On s'était mis d'accord, Baptiste. Hein. C'est bon. Bon, c'est parti, tout le monde en place. Allez. Bon, il est toujours sur messagerie. Qui ça? Je vais le démolir, l'amende-le là. Il va rallumer le téléphone et là. Lâche ton idée. Francis, allez. Oui, oui, d'accord, d'accord. Bon. Baptiste, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas le moment de téléphoner. J'arrive. Oh, Baptiste, bonjour. Beaucoup mouillé. Toi, chaud. Ah oui, chaud, très chaud. Bon, Baptiste, J'arrive. Dis-moi, Christina, tu peux faire un corps coquillage, là, elle est affreuse. Francis, oui. Je sais qui c'est, la mandeleu, là. Quoi? C'est qui? Bon, ouais. Il a rallumé son téléphone. Appelle-le vite. Alors, qu'est-ce qu'on attend, là, en place, toi? Silence. On tourne. Moteur demandé, ça tourne. Annonce, clap, c'est bon. Oh, dégage-moi. Action! Vas-y, Philippe! Je sais. Ta maman, elle est dans la salle. Et je suis venu pour vous tuer toutes les deux. Oh! Ah, portable! Ah, mais c'est pas moi, je l'ai pas, moi. C'est toi! Mais non, c'est pas moi! C'est toi, salon! Arrêtez! T'es complètement fou! Arrêtez! Mais ne me battez pas! Mais qu'est-ce que t'as fait là? Ben je sais pas, j'étais comme ça et... Mon Dieu! Reviens! Y a-t-il un vétérinaire dans la salle? Mais parce que c'est une bête de scène! Je sens plus en boue! Je sens plus en boue! Prends le mien, il est pas plus fort! Ah, la bête est spolisée des pouces! Ah bah oui, c'est vrai, pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais j'en sais rien, on s'en fout! Sa perruque se décolle là! Oh, tout espoir! Personne ne bouge, le théâtre est cerné! On a tiré sur Rose! C'est André Couteau, l'assassin! Il est où? Il est où? Il est là! Allez, avancez, vous deux! Et vous là-bas, les mains en l'air, tous! Rendez-vous, André Couteau! Vous n'avez aucune chance! Soyez raisonnable, André, hein! J'ai appelé la police!
Mais vous ne vous en sortirez pas comme ça, le théâtre est cerné. Sauf si je prends un otage. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi j'ai compris, sauf si je reprends du fromage. J'ai entendu sauf si je fais le ménage. Non, j'ai dit sauf si je prends un otage. Oui, bon, moi je serai vous, je prendrai Rose. Au risque de vous décevoir, je vais prendre un otage vivant. C'est gâché, on va pas s'en servir. Philippe, il est où Philippe? Ben il est pas là justement. Oh, cet otage, ça vient. Et les figurants? Mais t'es pas mort, toi? Oh non! Ça fait une éternité que je me méfie de toi et que je me promène jour et nuit avec un gilet pare-balles! Oh non! Ça te va super bien! On en avait durant 2 ans, dis donc! Ouais. Ça te va comme un gilet pare-balles! Eh oh, je suis là! Oh, je suis là! Alors, cette otage, ça vient? Oui? Bon, bah, qui veut faire l'otage? Avec une chemise bleue. Bah, toi, tu peux le faire. Moi? Ouais. Ah non. Bah, moi, j'ai déjà fait Lola, là, non. Allez, merci, Baptiste, tu me fais plaisir. Problème réglé, c'est sympa. Oh, qu'est-ce que t'es courageux. Ouais. Oh, je suis pas courageux. J'ai les miquettes. André, s'il vous plaît, vous pouvez réfléchir un peu, vous allez aller en prison. Et vous pourrez plus tourner de films. Ne vous inquiétez pas pour moi, là où je vais, j'en produirai des films. Et à la peine. Ah, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Regardez. Regardez, c'est pas moi. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? On avait dit qu'on faisait participer les figurants. Ils allaient chanter avec nous. Oui. Ah, dans ce cas, on va vous faire répéter. D'accord. Et Philippe. Philippe. Ben, il est là. Thank you.
came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament.